petit dossier sur l'entreprise. Le parcours, l'organigramme, les salariés, les résultats, les objectifs, ta carte d'identité en somme. Lisez-le, il vous permettra de vous intégrer plus facilement. Merci Monsieur Pinon. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une longue et belle carrière dans l'industrie automobile française. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous l'ai déjà dit, ma porte est grande ouverte. Entrez. Ah, entrez, Monsieur Robert. Je vous présente Mustapha, Mustapha El-Karkouri. À compter d'aujourd'hui, il est affecté à votre service. André Robert, Mustapha. Un petit tour des locaux. Allez, allons-y. Chacun ses petites habitudes. Le matin à 9h, c'est la pause casse-croûte. À 10h30, c'est la pause café. Et à 11h45, c'est la pause déjeuner. D'ailleurs, c'est toujours mieux d'être embauché le matin. On ne voit pas la journée passer. Bah tiens, dans 15 minutes, c'est déjà la cantine. C'est pas grave. Je suis désolé. Il n'y a pas mort d'homme. Je vous offre un café ? Non, merci. T'arrêtes pas de se croiser dans les couloirs, on s'est jamais présenté. Jérôme Marchal, chef de projet. Virginie Doumbi, je travaille au service de la communication. Et vous êtes la stagiaire de Dominique ? Je suis responsable de la communication institutionnelle. D'accord, livraison après-demain. Ok, merci. Au revoir. Excusez-moi. Okay. Mais dites-moi, je peux savoir où se trouve mon bureau ? Ah. Mustapha. Bon, on va faire simple et on va se tutoyer, d'accord ? Ce sera plus facile. Bah tiens, t'as 4 mètres là. Monsieur Robert, la livraison est arrivée. Ah bah c'est pas trop tôt. Teddy, je te présente Mustapha. Mustapha, je te présente Eddy la bonne humeur. Enchanté. Salut. Tiens Mustapha, tu peux l'accompagner s'il te plaît pour récupérer du matériel ? Excusez-moi, Monsieur Pinot, je peux vous voir 2 secondes ? Entrez, Mustapha, entrez. Alors, cette première journée ? Désolé, Monsieur Pinot, mais je comprends pas très bien. J'ai passé la journée à transporter des cartons et en tant qu'ingénieur, j'ai du mal à... Allons-y, Franco. Je vous ai recruté parce que vous m'êtes sympathique. J'avais envie de vous aider. Qu'est-ce que... Et je vais même vous faire une confidence. Ma femme est arabe et j'aime bien les arabes. Vous m'avez semblé normal de vous aider. Bon, nous n'avons pas besoin d'ingénieur pour l'instant, c'est vrai. Mais nous avons vraiment besoin d'un manutentionnaire. C'est mieux que d'être au chômage, non ?